Et puis j'ai commencé à chercher, à fouiner, à j'ai bossé comme une acharnée. Franchement, j'ai bossé comme une acharnée on va dire, à partir de mes 28 ans, j'ai vraiment commencé à travailler hard rock. C'était 5 livres en même temps, c'était des conférences à gogo, c'était des stages, c'était beaucoup, beaucoup de recherches perso, de tests. J'allais chercher dans les vieux trucs, je déterrais des vieilles méthodes, je les simplifiais, je les testais, ça allait bien, ça allait pas, j'ai investi plein de trucs et puis ça donnait rien, et puis j'ai essayé d'autres choses. Franchement, j'ai passé ma vie à tester, à tester, à tester, à tester, à tester, tout en travaillant à côté, hein. J'avais toujours des jobs à côté. Et puis un jour, à force de bosser 14h, 15h, 16h, 17h, des fois j'étais à des 17h par jour, un truc de malade mental. Et bon, j'avais pas d'enfant, donc voilà, hein, quand on n'a pas toute la marmaille à s'occuper, c'est quand même beaucoup plus facile. J'avais un mari très libre et très conciliant qui avait aussi ses passions, donc on était chacun de notre côté à la maison, chacun bossait, on bossait comme des fous les deux. Et puis un jour, je me suis écroulée, mais vraiment écroulée. Ça s'appelle la burn-out, je crois.